Et pour l'ouverture, mesdames, messieurs, les membres du comité central, mesdames, messieurs, les membres de toutes les structures du parti, militants et militantes. Personnalité distinguée invitée. Ce jour 31 mars 2022 est un jour du renouveau. La convention qui nous unit ce jeudi 31 mars est inscrite en due forme dans nos statuts et règlements intérieurs. Ce n'est pas une décision unilatérale de la direction nationale du parti. Le coup d'État militaire du 5 septembre 2021 a interrompu un mandat légitimement octroyé à notre parti, le RPG acacien. Par confiance et reconnaissance, a désigné le professeur Alpha Condé à la tête de la nouvelle république. La quatrième, pour qu'il continue d'activer les grands travaux accomplis au cours des deux mandats de la troisième république. Le coup d'État n'a pas comme prévu déstabilisé notre parti. Nous nous sommes repris très vite. La direction a cru utile d'insuffler des nouvelles orientations à notre programmation pour faire face aux nouveaux défis qui nous attendent, celui de reprendre le pouvoir par les dieux. Vous êtes invités, messieurs et mesdames, à entériner les nouveaux choix qui seront portés à votre connaissance. Le RPG arc-en-ciel est une force tranquille qui par un travail laborieux, magnifique, qui s'inscrit dans le paysage politique guinéen. Et est considéré à sa juste valeur comme le plus grand parti du pays. La convention à laquelle vous assistez est une convention du renouveau. Ces décisions considéreront les bases de l'autre parti, le Rassemblement du peuple de Guinée. Comme l'ANC de l'Afrique du Sud, le RPG relevera tous les défis des années à venir. Ce renouveau opérera dans nos rangs des changements fondamentaux. Les anciens légueront aux jeunes un parti neuf qui, dirigé par eux, fera la fierté de son fondateur, le professeur Alpha Condé. Et dans notre parti, le plus grand parti de la Guinée, pour l'avenir et le devenir de la Guinée, je vous remercie. Sandy le message. La salle, s'il vous plaît. Du parti, le docteur Candelini. Comana! Je vais vous
C'est terminé.